Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ici, il s'agit de Saint Alphonse de Ligorie. Il faut d'abord noter que la supériorité du pape sur le concile ne s'étend pas au pape douteux d'une époque de schisme, parce qu'il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection. Car alors, chacun doit se soumettre au concile, chacun des papes, comme on a vu au Moyen-Âge, comme l'a défini le concile de Constance. Alors, en effet, le concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ, comme en période de vacances du siège apostolique, comme le dit bien saint Antonin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.